Salut YouTube! Bienvenue pour la suite des aventures sur Spider-Man! Let's go! Toujours un plaisir ce petit jeu. Là, faut aller chercher le casier. Let's find where is the casier. Là-dessous! Dépêche-toi! Il faut ouais, il y a un truc de fou! J'en ai marre, j'ai déjà ratissé cet étage 3 fois. Je suis en train de perdre mon temps là! Y'a quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? Disparu. Clairement, j'ai eu du bol. Oh, ouais! Vas-y, prends la clé et on s'arrache! Quoi ce truc? Non mais sérieux, comment t'as... Vas-y, prends-le. Oh la poisse. Qui est là? Ah oh, super. Et lui aussi, il fait partie de la surprise? Non. Cours. Oh. Hey! T'abuses? On va se faire arrêter. Faudra d'abord qu'il nous attrape. Non, on dirait ils ont 8 ans. C'est pas ce genre de nostalgie que je préfère. T'as toujours la clé? Ouais. Y'a plus qu'à passer ces portes. Et le tour est joué. Ouvrez, c'est la police. Si après les flics, vous allez avoir des ennuis. Vas-y. Mais... retiens-les encore un peu. J'ai une idée. Bah attends, je fais quoi moi? Tu te fais pas choper? J'oublie tout le temps. Une tasse, ouais, deux petites heures. On joue depuis des heures. Police, dépêchez-vous. Sérieux. Bonsoir. C'est vous qui avez appelé? Oui, ils sont quelque part par là. D'accord. Vous fouillez la salle. Nous, on prend sa déposition. Ah! Non, isoler le garde pour récupérer ma clé USB. Les fameuses séquences de. Les hommes cherchent, mais on a besoin de votre déposition. Vous avez vu quoi? Eh ben, Rick Labourique. Enfin, je veux dire. Ah, je peux pas les soulever? Il a entendu des trucs. Mais vous savez, il se fait souvent des films. Wow! Vous avez vu quoi, précisément? Eh ben. Vous les avez vraiment vus? Pas vraiment, non, mais je les ai entendus, hein. Et comment vous savez qu'ils sont plusieurs? Mais vous devriez pas être en train de les chercher. Ils sont sûrement en train de se parer, là. Parfois, ces machins éclatent sans raison valable. C'est quoi la troisième distraction? Très bien. J'ai plus qu'une seule personne à éloigner. Hop. Bougez pas. Je reviens tout de suite. Il est tout seul. C'est le moment de tenter la figure du pickpocket à l'envers. J'ai vu ça dans un film. Comment on fait? Les gamins. Super. Et leur je vais me retrouver juste au-dessus de lui. Comme si j'avais le temps pour ça. Jerry doit être en train de m'attendre. C'est quoi ça? En fait, d'après les mécaniques comment du jeu. Sorte là maintenant. Sale gosse, il est dans le bureau. Understand, gonna give you up, I gonna let you down. Je vais dire Karim. Karim. C'est bon. Il faut se planquer. Mais frérot. C'est pas la police. Ah. C'est mon père. Je vous ai dit, après vous, il ramène. Oh. What? Les gars, on a eu un crash? What the hell? Oh, YouTube! Il faut se planquer! C'est pas la police. On a relancé le truc. C'est mon père. Willem Dafoe.
quel acteur de fou! Non, c'est pas lui. Papa, je t'ai dit que je t'appellerais en rentrant. C'est ta mère. Quoi? Ta mère, toi, oui? Quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Peter, tu nous excuses une minute. Willem, pour de faux. Je crois qu'il lui a dit ta mère est enceinte de toi. Ça l'a abattu. Pardon, pardon. Harry, c'est quoi ça? Avec notre présentation, on aurait gagné à tous les coups. Il s'est passé un tas de choses en 10 ans. C'est un miracle qu'on soit là tous les deux. J'ai eu une seconde chance. Et je compte bien en profiter. Mais je veux que tu sois à mes côtés. Wow, ça fait... beaucoup d'émotions d'un coup. Tu devrais passer au labo demain, pour te faire une idée. T'as déjà un labo? Je te ferai voir quelques-uns de mes projets, et on en discutera plus longuement. Ça marche? Ça marche. Pete. On va guérir le monde. Vous avez le feu vert. Escadron K1 en approche. État des lieux? Le manoir et l'arène sont presque achevés. Éclaireur, au rapport. L'homme sable nous a échappé. On doit faire une croix dessus. Alors ce n'était pas lui. Bien reçu. En attente de vos ordres. Sergueï, soyez prêt pour le transfert demain. Et ne me décevez pas cette fois. Il a vraiment la tête d'un Sergueï. Kraven il est trop puissant. Kraven il est trop chaud les gars. Je m'appelle Miles Morales. Et je meurs d'ennui rien qu'à lire ça. J'allais faire une blague, mais elle est trop sale, je veux pas la faire. Hey Miles, t'es occupé? Fais ce que tu veux, je suis partant. Soin d'aide pour une mission de babysitting, alright? Ça a l'air cool. Tu m'expliques en route? Damn, les tenues trop stylées. Regarde pas comme ça, pas. Je m'accorde une pause. Hola, mijo. Ça se passe bien, ton essai? Ça se passe. Mais je vais faire un tour. Pete a besoin d'un coup de main. On va juste... Je préfère ne pas savoir les détails. Eh, hey, ça va aller, moi. Espera un momento. Si, claro. Tu sais, il y a eu pas mal de nuits récemment où tu t'es retrouvé à travailler tard et où moi aussi je travaillais tard. Eh ben, en fait, j'étais pas au travail. Mais regarde pas comme ça, je suis pas recherchée par la police. C'est juste que... Maman, t'es une pute? J'étais à des rendez-vous. Galant, en réalité. Ah, d'accord. Et il y a cet homme que j'ai déjà vu plusieurs fois et... Et ça se passe plutôt bien. Où tu veux en venir, moi? J'aimerais bien l'inviter. Je ferai du patelon.
Je suis sûr que je peux me trouver des spider trucs à faire. Du pantalon ? Histoire de vous laisser tranquille. Non, je voudrais que tu le rencontres. Et qu'il te rencontre lui aussi. Mais si ça te met mal à l'aise, je comprendrai parfaitement. Non. Tu sais, tu m'as eu à Pathelon. À plus. Ok, bien sûr. Imagine, il lui dit. Maman, est-ce qu'il te foudroie comme je foudroie les gens? Wow. Putain, mais moi, faut vraiment pas que je fasse de jeu. Hein. Moi, si je fais un jeu, les gars, c'est. C'est Peggy 25. Peggy 40, même. Faut vraiment pas que je fasse de jeu. Je vous jure, si je fais un jeu un jour, c'est fini. Allez, c'est parti, les gars! Le couloir devant pourrait me propulser. Pour déplacer un vivant à travers. Ok, je sais déjà, frérot, j'ai déjà appris. Je le sais, mon poteau. Ça repart. Un courant ascendant, les gars, un courant ascendant. Wow. Je commence à choper le truc. Il s'est mangé le mur. Frérot, il s'est mangé le mur. Traumatisme crânien. Damn. Ça va tellement vite, les gars. I gotta go fast, chat. Un courant d'air ascendant. J'adore quand il y a du vent. Miles, je suis en train d'arriver au raft. T'es en route? Super. C'est pour qui le babysitting? MJ a appris que Scorpion va être transféré à Ravencroft. Le centre est à court de ressources pour l'encadrer. Et que l'homme sable partage sa cellule. Il faut jamais sous-estimer Scorpion. Je serai là. Ah, c'est dans les deux sens, ok. Je pensais que c'était que un sens. Attends, parce qu'en fait, ils m'ont dit quoi? Est-ce que j'ai un point de compétence? Oui. Oui, j'ai un point de compétence. C'est quoi ça? Fais voir. Ah oui, c'est le... La tornade, ok. Je prends un truc commun, en vrai, pour tout le monde. J'ai quoi? Non, pour faire bondir un ennemi au sol, projeter en l'air. Mais j'ai déjà ça. Non? Mais j'ai déjà ça, chat, non? Je le fais tout le temps. Ça peut être cool, en vrai. Pour neutraliser les ennemis, en fait, qui ont des armes, ça peut être cool. Pour désarmer. Un plongeon maintenir R2 pour accéder à l'aide d'un super looping cinétique. Je vais obtenir un tir de gadget gratuit au quatrième coup combo. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Ça c'est quoi? Sur une parade contre un ennemi standard, lui fait perdre son âme. Son arme, pardon. Son âme. Ça c'est quoi? Ah, ok. Désolé, je vais prendre ça. Je me maintiens R2. Attends, fais voir. C'est encore un cristal de mémoire de Marco. Attends. Je devrais m'en... Comment ça marche? Mais ça marche pas. Ah, faut devoir plonger. Comment on plonge? Les gars, comment on plonge? Je m'en rappelle comment on plonge. Ah, il faut être en wingsuit, genre L3. Ah, ok, j'ai capté. Salut les amis, okay. Ici Danica. Vous écoutez le Danicast, le podcast le plus populaire du moment à New York. Accroche-toi à ta moustache, Jonah, j'arrive pour te piquer la couronne. Je tiens d'abord à saluer les nouveaux auditeurs. Le Danicast, c'est votre rendez-vous quotidien avec de vraies histoires racontées par de vraies personnes. Vous avez entendu l'histoire de Dennis? Ce conducteur qui a continué à faire fonctionner tous les métros de la ville pendant l'attaque de l'homme sable. L'accès à la cabine de contrôle principale a été coupé, mais il est arrivé à se reconnecter au réseau depuis son smartphone pour éviter une interruption du trafic. Des milliers de gens ont été évacués du Queens et de Brooklyn grâce à lui. Dennis, toute l'équipe du Danicast te salue. Continue comme ça. C'est trop stylé! C'est trop stylé. C'est trop stylé. Content que t'aies pu venir. J'arrive à temps, on dirait. Wow.
t'arrête pas, Gargan. Ah, c'est Scorpion. Ah, gars. Paré pour le deuxième. Le deuxième? Je croyais qu'on surveillait que Scorpion aujourd'hui. C'est négatif, ça, non? C'est bon, on dirait toujours 16 good. Hein. C'était. Miles. C'est bon. Ça va aller. Godzilla. C'est pas la saison des feux d'artifice? Godzilla. Il faut les voir. Je pense que ça va être le bordel encore. Ils vont vouloir libérer Scorpion et les autres là. Du rouge? Du jaune? Tu penses à la même chose? Surveillez bien les prisonniers! Je prends la gauche! Protégez le bateau! Sur ma position! Je savais que j'aurais dû faire des étirements. Ta tête fera un superbe trophée. Pas possible d'esquiver les attaques lourdes. Quoi? Attends, j'ai pas compris. Et je peux les esquiver normalement? Les attaques lourdes parallèles lorsque l'icône d'alerte passe du jaune au rouge. Mais comment tu reconnais les lourdes? Oh, elles sont tranchantes ces lames. Vous venez de loin, on dirait. Moi, c'est Spider-Man. Au cas où vous seriez pas au courant, ces types sont ultra dangereux. On a vraiment intérêt à les garder en prison. Ne mêle pas de tout ça. T'as rien à voir là-dedans. D'accord, on annule le cocktail de bienvenue alors. Spider-Man, c'est quoi ces espèces de bruits? J'espérais que vous le sauriez. On vous couvre, empêchez-les de monter à bord. Ça marche. Tirez leur défense. La cible est en vue. En formation, arrêtez-les. Submergez les gars, détruisez les portes. Ils cherchent à entrer dans le bateau. Ils veulent Scorpion, Ellie. On doit les arrêter. Qu'est-ce que vous leur voulez à ces types? Mais j'ai... Vous avez déjà ah, okay, rassé nombreux dans votre club. J'ai compris, j'ai compris. En fait, c'est pas les mêmes. Je ne rappelle pas de ce genre d'annonce. Vous n'avez pas dû vous en mêler, les insectes. C'est une erreur très courante. Les araignées ne sont pas des insectes en réalité. Mais c'est peut-être pas pertinent dans ce contexte. Replie-toi. C'est des riens. Courez, Spider-Man. Lâchez rien. Faut pas qu'ils s'approchent des prisonniers. Ah!
Non, non, c'est pas un insecte. Vous êtes quoi? Des mini-vultures? Non, on peut pas les laisser entrer dans ce navire. En ligne, demi. Change de position. Cible accrochée. Ces types, ils ont des thunes et de la technologie. Ouais, ils sont pas là pour rigoler. Ils ont l'air ultra motivés pour récupérer. Scorpion Mouli. Vous les deux. Pardon. Si jamais ces gars s'échappent de là. Reste concentré, Spider-Man. Ta présence est inattendue. Mais sans conséquence. Non mais pour de vrai. Vous êtes liés. Je vous débarquer. Il y a au moins un truc de clair. Ils savent ce qu'ils veulent. On est nombreux, mais on se bat à l'unisson. J'ai pas le Frida, il est mieux. Spider-Man, comment ça va? Tu vois le truc des hydres là? Avec toutes les têtes qui sortent. Mais voilà, l'ennemi est dans les corps. C'est bon, je m'occupe du petit. Quoi? Petit? J'espère que c'est de Spider-Man que tu parles. Parce que je mesure un centimètre de plus que lui, au moins. Si, espèce d'imbécile. Pourquoi on n'était pas au courant que le rat se déplaçait lui? C'est sans importance. Il faut vite qu'on neutralise ces gars. Peu importe qui ils sont. On dirait qu'il y a la chasse, Spider-Man, là. On dirait la chasse. Les rats, je dois aller par où? Le bateau. Mais faisons quoi? Sur la carte? Mais quoi sur les cartes? Il n'y a rien sur la carte, frérot. Genre, je dois acheter sur le bateau, mais. Minimap? Mais il n'y a rien sur la minimap non plus. Les gars, il n'y a rien sur la minimap. Ça a bugué, non? Il y a un point rouge? Mais eux, je peux pas les niquer, eux.
Je me demande si ça n'a pas bugué en vrai. Il reste un ennemi. Alors il a bugué ce con. Non mais frérot, ça a bugué, il est debout. Non mais l'autre con, il est debout. Genre, il observe la vue. Il est en mode, ah putain, c'est... Et la ville, elle est belle de ouf, en vue d'ici. Franchement, machin là, la vue, elle est grave belle. Genre, mec, c'est baisé. Attends, je vais prendre un... Je crois qu'il y a un bug, en vrai. Je crois qu'il y a un bug. T'as vu ces types? Ils ont des thunes et de la technologie. Ouais, ils sont pas là pour rigoler. Ils ont l'air ultra motivés pour récupérer. Scorpion, Wooly, tous les deux. Si jamais ces gars s'échappent de là... Reste concentré, Spider-Man. Ta présence est inattendue, mais sans conséquence. Non mais pour de vrai, vous êtes qui? Où vous débarquez? Y'a au moins un truc de clair. Ils savent ce qu'ils veulent. On est nombreux, mais on se bat à l'unisson. Spider-Man, comment ça va? Tu vois le truc des hydres là? Avec toutes les têtes qui sortent. Et voilà, l'ennemi est dans les cordes. Visuel sur la cible. C'est bon, je m'occupe de Petit. Petit? J'espère que c'est de Spider-Man que tu parles. Parce que je mesure 1 cm de plus que lui, au moins. On n'était pas au courant que le raft déplaçait l'île. C'est sans importance. Il faut vite qu'on neutralise ces gars. Peu importe qui ils sont. Tellement fluide, putain, tellement tout est... C'est tellement fluide, putain, mais... Tiens, cadeau, toi. Ça va bugger. C'est bel et bien un bug en fait. Je me disais, c'était trop bizarre en fait. Miles il est debout, il fait rien. Oh non. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, le bug est chiant. Les gars, le patch demon n'a pas encore eu lieu. Demain, enfin. Là, je crois qu'il y a un patch demon qui est sorti, il faut que je DL. Sérieusement. Tu m'arrêtes, les gars. Scorpion, il s'est échappé, il m'a jeté là-dedans. Je vous sors de là. Genre, dommage, j'ai pas de QTE, tu sais, à se mâcher des boutons, genre carré ou quoi, genre. Restez calme. Je vais trouver une solution. Accès électrique.
Ça m'a l'air prometteur. J'espère que Bit a retrouvé Scorpion. Ces gens n'ont pas conscience du danger qu'ils vont libérer. Je suis là! Je vous le jure! Allez, système de secours. Montre-toi. Ouais, trop cool. Le niveau de l'eau monte. Faut absolument que je trouve une autre sortie. Ah oui, c'est vrai que lui. Il y a un courant électrique par ici. Même moi, je peux le sentir. Lui il peut se battre. Il craint rien en fait. Il va se faire carboniser avec tout ce courant électrique. Je vais vous demander de vous éloigner de l'eau, d'accord? Il faut que je draine l'énergie à trois. Oh non! Oh non! 6000 fois petit! Aïe! Vous êtes sauvé! Vraiment? On a Scorpion en visuel. Super-héros. Peut-être que tu t'accroches là où les autres abandonnent. La drogue, c'est mauvais, les gars, par contre. La drogue, c'est dangereux, les gars. C'est bien fait, quand même. C'est si paisible sans Miles. Mal de craquer. Ah, mon respect, putain. Il faut que je sorte là. Il faut que je les retrouve. Sortez-moi de là ! Bande de lâches ! C'est lui, c'est un négatif. Spider-Man. Andy. Qu'est-ce que t'attends? Pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Quoi là? C'est quoi sa main de baiser? Ok. Qu'est-ce qui se passe? Elle m'a pu sortir électrique. J'ai du mal à la contrôler. Spider-Man! Ils emmènent les! Scorpion aussi! Je suis à leur trousse! Miles! Je pense que tu peux t'occuper de les! Je peux revenir tout de suite! Non! Je peux gérer! Vas-y! Est-ce que t'es sûr? Je peux pas laisser s'approcher de ma famille! Pas après ce qu'il a fait à mon père! Je me dois de les protéger! Ils ont besoin de moi! Il arrivera rien à ta famille! Rien! Tu vas assurer! Reviens très vite! Et je maîtrise! Oh.
Non mais attends, mais tu sais que le jeu ne fait que monter en puissance, les gars, en vrai. Hein. Donc, les pouvoirs, les trucs, mais c'est incroyable. Oh, il est sur le flanc le bateau carrément. Et que New York où tu vois ça. Tout va bien. En fait, Miles, il est tellement puissant quand je réfléchis bien. Je sais pas qui vous êtes, mais vous auriez dû choisir une autre ville. On s'en sortira pas. Je suis pas si naïf que ça. Non, je me suis trompé. C'est qu'on peut pas esquiver ça. Miles, il est tellement puissant. Sergei. Spider-Man, panique pas tout de suite. Mais River est en feu. Quoi? Oh, parfait. J'arrive tout de suite. Oh, le merdier. Allez, allez. Ça démarre pas. J'arrive tout de suite. Ça, j'adore. Accrochez-vous à quelque chose. Les gars, c'est un film. Pas question. Lui ne partira nulle part. Voilà ce que je veux. Je veux des boutons comme ça, là. Viens là, toi. Come on, not again! Lâchez-moi un peu! Faut que j'arrête cette hélice! Je peux pas en... Une proie. Je suis mort! Oh, première mort du jeu, je crois! Mais tu sais que je sais même pas comment je suis mort en fait! Lâchez-moi un peu! Faut que j'arrête cette hélice! Toi, l'hélice avec cette brute qui me tape dessus. Combien de fois je vais devoir vous le répéter? Lui reste avec moi. Salut, vous êtes le chat avant. C'est...
Les gars, je vais te faire une nuit blanche. Oh non, il est sorti. Renouachi. Vous savez pas ce que vous m'avez pris. Spider-Man, lâche-le. Sanguelo, je suis d'accord. Mais c'est pas la politique de... Spider-Man, j'ai besoin de ton aide. Ah ouais, forcément. Forcément les gars, forcément. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est bien, les gars. Oh là là, Torix, je suis d'accord. Franchement, le full match, l'autorise pour une fois dans... Le full match, il est autorisé. Au moins, les premiers secouristes sont là. La police cherche encore, mais y a aucune trace d'eux. Ça donne quoi en amont? Y'a que des décombres! Et des cons? C'était qui ces types? Je sais pas, mais ils sont à la pointe de la technologie. Sans compter qu'en plus, ils ont Scorpion, Ellie. Eh, quel que soit leur projet, on les trouvera et on les arrêtera. C'est dommage que les deux soient Spider-Man, tu vois. Ça sent du coup d'avoir genre Miles et Spider-Man. C'est genre. Hein, Pete. Ouais. Quand j'ai vu Lee sur ce bateau, mes pouvoirs, il... Tu crois que son énergie s'est mélangée à la tienne? Franchement, je sais pas. Mais ça a l'air... instable. Je sais pas d'où vient ton bleu électrique, mais ça nous a sauvé la vie tout à l'heure. Hé. On remettra Lee dans sa cellule. C'est promis. Me mets pas en vent, s'il te plaît. Tu vois pas que je me prends la tête? Interdit de bouder. Allez. Change rien, Pete. C'est mortel. Franchement, c'est mortel. Tiens le coup, Max. C'est... Il y a tellement de trucs qui sont fous. Alors bien sûr il y a des défauts, tu vois, par exemple l'eau est pas très bien faite, il y a des animations qui sont pas folles, etc. Mais ça, genre frérot, tu fais vite abstraction de tous ces petits défauts, tu vois. Genre tellement le level en fait de mise en scène, de narration, d'animation est élevé, tu vois. Genre c'est... Graphiquement, graphiquement, c'est un peu plus joli. Mais surtout, en fait, ce qui est ouf, c'est de voir à quel point la ville est dense. C'est-à-dire que, genre, je sais pas si vous vous souvenez, mais... Attends, depuis les menus capacités, vous pouvez changer les capacités que vous avez équipées. Ah, c'est ce que je me posais la question. Vas-y, débloquer l'éclair en chaîne et le point bioélectrique. Mais un seul d'entre eux peut être actif à la fois. Ah d'accord, donc en fait tu peux changer, oui. Non, en vrai, je vous avoue que l'éclair en chaîne, j'aime bien. L'éclair en chaîne, j'aime bien. C'est que l'éclair en chaîne,
Le point bioélectrique, revenez ici lorsque vous avez débloqué de nouvelles capacités si vous souhaitez changer d'arsenal. Ok. Le point bioélectrique, il est cool. Mais en fait, ce qui vient avec l'éclair en chaîne, c'est qu'en fait, ça se propage, tu vois. Et j'aime bien. J'aime bien. C'est beau, mais pas si exceptionnel, je trouve. Faudrait passer sous UE5. Alors, faut rater avec UE5, les gars. Vraiment, je vous le dis, je le dis à chaque fois. Genre, vous pensez qu'en fait, l'UE5, c'est, tu sais, genre, hop, UE5, et bam, on a des graphismes, tu vois. C'est pas ça, les gars. C'est... N'oubliez pas que les vidéos que vous voyez sur internet de l'UE5, il n'y a aucun jeu qui ne sort avec ces graphismes-là. En fait, le problème, c'est que vous mélangez beaucoup de choses. Genre, ça reste, pour la plupart, des démos techniques. Des démos techniques, c'est des tronçons des sections de jeux ou de vidéos qui sont montées pour montrer, en fait, la puissance, entre guillemets, de l'UE5 avec les genres nouvelles consoles et tout. Mais, typiquement, t'as pas, y a aucun jeu aujourd'hui sur UE5 qui a des graphismes de fou furieux avec, ou genre du photoréalisme, avec en fait, genre une mise en scène comme ça. Ça n'existe pas, tu vois. Honnêtement, genre, je veux dire honnêtement, je préfère mille fois les graphismes de Spider-Man qui sont genre, honnêtement, très jolis. Techniquement, c'est très très bon, tu vois. Parce que honnêtement, si tous les jeux avaient cette technicité, je pense qu'en vrai, voilà. Les gars, je veux savoir quand vous jouez, hein, si vous trouvez ça moche, je veux bien connaître les jeux auxquels vous jouez. Mais en fait, ce que je disais, c'est que, en gros, c'est joli, tu vois. Mais par contre, en fait, ce qui est impressionnant, c'est de voir en fait la densité de la ville. Salut Miles. J'avais pris l'habitude de tomber sur ta messagerie. Je t'ai envoyé une adresse. Ça te dit de venir ? Salut, oncle Aaron. Alors, t'as pas le temps de venir voir ton oncle ? Non ! Je voulais te laisser respirer après ta libération. C'est pas la peine. Et puis, on a des trucs à régler. Ah ouais ? À plus tard, petit gars. Sur PS4 ? Va lui rendre visite, Miles. Ce sera fait. Après, on se concentre sur ceux qui ont enlevé Lee et Scorpion. J'ai l'impression qu'il y a un gros coup qui se prépare. Sur l'épisode en fait de précédent, sur du coup Miles Morales et le celui d'avant, en fait, t'auras jamais un trafic aussi dense, tu vois. Alors attention, le trafic n'est pas si dense que ça, parce que en fait, genre ici, il avait dit quand on avait lancé le jeu, en fait, si tu changes ici, que tu mets du coup en mode fidélité, c'est écrit à droite, tu vois. En gros, ils te disent, tous les systèmes graphiques sont au maximum, dont la densité des piétons, de la circulation, ainsi que des, tu vois. Donc, en gros, si tu veux avoir, en fait, un jeu encore plus dense d'un point de vue, circulation, piéton et tout, en fait, tu mets en fidélité, et là, pour le coup, alors, je vais pas le mettre, non, je le mets pas, je vais pas le mettre, mais en vrai, en fait, t'as encore plus de véhicules, plus de trucs. Alors, déjà, là, c'est pas mal, tu vois, mais en fait, tout à l'heure, quand on était en centre-ville, c'était flagrant, j'avais vu une vraie différence, tu vois. J'avais vu une vraie différence, j'étais en mode, putain, il y a masse véhicules. Dans le Miles Morales, évidemment, il n'y en avait pas autant. Maintenant, les gars, qu'on se le dise. Je vais récupérer ce cristal. Le jeu est quand même très beau. Le jeu est quand même très beau, les gars. Vraiment, genre, même là, tu vois, je suis juste en performance, donc 60 FPS, et honnêtement, le jeu est très joli. À chaque journée, son lot de désastres pour notre ville bien-aimée. Et devinez qui sont les responsables ? Ce qui ne devait être qu'un banal transfert de prisonniers a tourné au fiasco. À cause de qui ? Des Spider-Man, évidemment ! Ils se sont sentis obligés de se mêler de ce qui ne les regardait pas. Et un groupe de mercenaires inconnus en a profité pour détourner le véhicule transportant les super-vilains Scorpion et Mister Négative. On ne sait pas grand-chose sur ces nouveaux énergumènes, si ce n'est leur penchant pour les peaux de bête. Mais une chose est sûre, les Spider-Man n'ont rien fait pour les arrêter. Si les forces de l'ordre avaient pu faire leur travail correctement, ces criminels seraient encore derrière les barreaux à l'heure qu'il est. Tiens, nous avons au bout du fil une personne ayant assisté à la scène. Madame, vous êtes en direct. Salut, Jonah. Merci de prendre mon appel. Je voulais juste dire que vous venez de sortir un gros mensonge. Et voilà. Moi, j'y étais sur la jetée. Les forces de l'ordre étaient complètement débordées. Les Spider-Man ont sauvé de nombreuses vies. Ils ont bien failli arrêter ces tarés avec des flèches. Tout d'abord, vous avez de la chance d'être en vie. Putain, mon merde, Jameson, il me casse les couilles, en vrai. Il parle tout le temps. Avez-vous une idée du montant des dégâts on dirait moi, les gars. Par ces maudits justiciers ? Non ? Mais c'est pas le sujet, en fait. Je n'ai pas le temps de débattre et de me perdre en conjectures alors que ces criminels en collant démolissent notre belle ville. Imaginez un peu tous les retards de livraison que cela va engendrer.
Lorsque plus personne ne pourra se raser en raison d'une pénurie de crème, il ne vous restera plus qu'à remercier les Spider-Man. L'administration doit faire son travail, les élus doivent agir. Et maintenant, un message de nos sponsors. En fait, ce que je veux vous dire, désolé, en fait, je finissais le message de l'aigri original, exactement. En fait, ce qui est drôle, c'est que... Alors, la manette bip, pour le coup, tu vois. Genre, le bip est léger. Non, attends, je vais vous faire écouter. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que le retour haptique au niveau de la manette, alors, vous pouvez pas le sentir, parce que forcément, c'est des vibrations, des micro-vibrations. En fait, tu les sens de plus en plus fortes, tu vois. Plus tu t'approches de la caisse, et plus elles sont fortes. Et ce qui est ouf aussi, c'est que, en fait, genre, le bip, il est comme, genre, spatialisé, tu vois. Genre, c'est pour ça que depuis tout à l'heure, en fait, je tourne la caméra, et en fait, le bip, il est vraiment spatialisé. Et plus tu t'approches, et plus ça bip fort, en fait. Ouais, genre, en fait, t'as un retour vraiment un petit... Eh, franchement, c'est pas mal, c'est bien. Tu le trouves... Tu le trouves beau, elle est sur PC en 4K avec moi. Oui, mais les gars, vous comparez l'incomparable, les gars. Vraiment, genre... ma carte graphique coûte genre 2000 balles. Genre la PS5 coûte 500 balles. Genre tu peux pas comparer genre le gaming sur PC avec le gaming console. Tu vois, c'est juste pas comparable. Il y a un moment en fait où, les gars, faut comparer ce qui se compare. Vous pouvez pas comparer genre mon PC avec une Switch. Tu vois, et bah, à titre d'exemple, vous pouvez pas comparer mon PC, le PC que j'ai avec une PS5. C'est pas les mêmes coûts. C'est pas le même type de jeu. C'est pas le même type de c'est pas la même façon de jouer. Et puis, genre, tout le monde n'a pas 5000 balles à mettre dans un PC, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a un moment, en fait, où si t'es un joueur au cas et que tu veux jouer en rentrant du taf, etc., ben, une PS5, ça fait largement le taf, tu vois, pour aujourd'hui, pour un joueur au cas. Et très honnêtement, genre, un Spider-Man 2, bah, c'est un super jeu, tu vois. Un Spider-Man 2, si je suis désolé, c'est un super jeu. Donc, voilà. Robert n'est plus en stable. Qu'est-ce qui s'est passé? Graphisme. VRR. Ah, merci beaucoup. J'ai vu, chat. Donc ouais, les gars, ne comparez pas tout et n'importe quoi en vrai. Je conseille de jouer avec un casque audio 3D, je pense. Je vais jouer avec. Ah oui, bah si vous avez le casque audio de la PS5, ouais, jouez avec, les gars, jouez avec. Ah oui, absolument. Oui, absolument. Il faut. Parce que là, pour le coup, c'est clairement le cas. Feux d'artifice. Ouais, il se passe quoi là? Pourquoi ils font des feux d'artifice, ces chiens là? Des feux d'artifice? Ils ont pété un plomb, eux. Je ferais peut-être bien de les prévenir que c'est illégal. Bah ouais. Avant que quelqu'un les dénonce à la police. On va les soulever. Eh, cette wingsuit, comment ça change tellement le gameplay, en vrai. Je trouve ça tellement plaisant, en vrai, aussi. Salut. Est-ce que l'un de vous deux a un permis pour ça? Wow. Mike, il respire encore, mais... Je vais l'emmener à l'hôpital. Je savais que ces feux d'artifice avaient l'air louches. Il va s'en sortir? Je crois que oui. Il est juste inconscient, on dirait, mais... Je vais pas prendre de risques. En vrai, ça va. En vrai, pour des personnages, genre... même pas secondaires, c'est tertiaire, ça. Les gars, c'est des PNJ, genre... je trouve que c'est même plus que OK, en vrai. Mais en fait, lui, j'aurais pas dû le soulever, j'aurais dû d'abord voir. Ouais, c'est largement OK, les gars. Bof, bof, arrêtez. Les gars, vous avez oublié Starfield ou... dois-je vous rappeler Starfield? Non, c'est largement OK, les gars. C'est largement OK. Les gars, c'est des PNJ. Genre, c'est des PNJ. Genre, c'est... Vous voulez quoi? Vous voulez, genre, le même détail que... Oh, monsieur... Spider-Man? Vous en faites pas, je vais vous emmener à l'hôpital. Et je précise au passage que les feux d'artifice privés, c'est interdit à New York. On savait pas. C'était pour notre frère. Lex, il nous a quittés il y a quelques années. Et il adorait ça. Alors on essaie d'en allumer quelques-uns pour son anniversaire. Oh non, je suis désolé. Les gars, les pubs Twitch est cassé, les gars, voilà. Je suis désolé. Les docteurs sont géniaux ici. Ils s'occuperont bien de vous. Merci. Non, en fait, attendez. Si les feux d'artifice qu'on a achetés étaient trafiqués, vous pourriez aller voir ceux qui nous les ont vendus. Regardez les mains noires. Ils sont sur les quais au nord, entre les deux ponts, là. Je crois que je vois où ça se trouve. J'irai...
Oh, ça va, frérot. Eh, les gars. Bon, peut-être la barbe, tu vois, qui peut-être à revoir ou quoi. Mais les gars, les jeux Ubi n'ont pas cette modélisation, les gars. Regardez, t'es mal les cheveux et tout, je suis désolé. Les jeux Ubi n'ont pas ça, les gars. T'as un œil. Eh, je viens de déposer Mike. Il voulait que je rende visite à votre fournisseur de feux d'artifice. Les types sur les clés. C'est pas bête. Il est mort. Mais faites gaffe. J'en ai vu deux qui avaient des flingues. Des gros flingues. Je vais faire attention. Merci. Mais non, putain, je voulais passer au-dessus de l'immeuble. Ouais, bah, il va se prendre l'immeuble dans sa gueule. Wow. Désolé. C'est un ouf, mec. Il s'est pris l'immeuble dans la gueule. Fais attention avec ce tonneau. On va perdre tout notre fric si ça explose. T'as envie de faire, peut-être? Alors retourne t'occuper des flingues et laisse-moi bosser. Elle peut se camoufler pour devenir invisible. Lorsque la barre de camouflage est pleine, lorsqu'une effet activé, le camouflage s'en génère avec le temps. Mais en fait, ce qui est ouf, c'est que ils ont vraiment gardé les mêmes mécanismes que Miles Morales. Et ça, j'adore, tu vois. Ça, c'est tellement bien en vrai. Ah, et puis merde. Je fabrique pas des feux d'artifice pour gamin. Allez, je vais en mettre 5. Attends, mais on peut pas les neutraliser avant? Maman serait tellement fière. Bordeur de flingues et de... Ah, c'est en bas, je l'ai pas vu. Fais dodo. En fait, maintenant c'est en bas à gauche de l'écran. Genre avant ça s'habitait le carré sur le personnage. Mais je crois qu'ils l'ont enlevé, ils l'ont désactivé. J'ai trouvé Spider-Man. Eh merde. Eh les gars, je voulais juste vous avertir que des types louches vendaient des feux. Eh, attendez une minute. L'araignée est là. Appelle les autres. Je veux pas perdre la marchandise. J'ai pas peur de toi. Oh, mais fou ce chien. Mais je vais pas mourir comme. Fais l'un ou le drone. En fait, le problème, c'est qu'il y a des ennemis, il faut faire L1, des ennemis, il faut faire rond. C'est un peu la baise. C'est un peu la baise, genre. Je crois que les criminels. Sûr. Comment j'ai fait ça? Gros dodo. Comment j'ai fait ça? Ah, faut scanner, ok. Ok, je connais. Danger. Ah, parce que lui, il regarde lui. Ok. Je vais commencer par celui qui est là-bas, là. Sur le container. Je vais être sûr, lui, non? Non, danger aussi. Ah, parce qu'il y a lui qui le regarde. Fuck. C'est qui? Heureusement, j'ai eu le bon réflexe, quand même. Heureusement, j'ai eu le bon réflexe, putain. Allez, dors bien. Ok. Il y a lui que je peux neutraliser en vrai, non? Ok.
Lui, il est sûr maintenant ? Ouais, il est sûr. J'aimerais pas être à ta place. Pourquoi il est en danger, lui ? Ah, parce que mec, comment j'ai pas vu ? Putain, je l'ai même pas vu, lui, là. Parce que lui, en fait, le gros, ça va être une galère. Pourquoi le gros, il est en danger? Parce que le gros, il est inkillable, c'est ça? Le gros, on peut pas le kill, c'est ça, le chat? Eux, c'est pas des méchants, eux. Non, eux, c'est pas des méchants. Trop lourd, ouais, tu veux pas? Je laisserai pas se tirer comme ça! Eh hey, les gars! Je voulais juste vous avertir que des types louches vendaient des feux! Eh! Hey, attendez une minute! Mais non, mais. Ah, je fais comment en fait? C'est pas possible! T'es baisé! Vas-y, tu peux pas en fait. On va s'arrêter, fais-nous confiance. Les feux d'artifice, ils sont allumés. Le fleuve, faut les jeter. Ok, dernière caisse. Cool. Wow, vraiment très cool. Joyeux anniversaire, Lex. C'était vous, ça? Wow, j'espère que Mike a pu voir ça depuis l'hôpital. Lex aurait adoré ça. Profitez bien de votre séjour à New York. Et attention. Nice! Ok. Fais voir. Genre, qu'est-ce qu'on peut faire ici, là? C'est où le quête principal? Ouah, wow, c'est loin de fou! C'est loin de fou, cousin! Pas de soucis, mec! Même si c'est loin, on peut y aller, nous. On a de quoi y aller. On va téléporter. Si, en fait, il faut accomplir des missions pour débloquer les points de téléportation. Tant que t'as pas fait les missions, genre, t'as pas les points de TP. Ça, c'est un kiff, les gars. Ça l'est moins. ça l'est moins pour le coup, tu vois. Oh non! Putain, fais chier! Putain, je voulais passer entre les trucs en vrai, ça c'est trop stylé. Ouais, je vais surfer, ouais. Je vais surfer. Ah, surfer, c'est bien grand mot. Genre, tu vois ça? Vous voyez ça là? Vous voyez la circulation en bas là? Comment elle est dense de fou? Et bah ça, dans Spider-Man, il n'y avait pas ça, je crois. C'était pas aussi vénère, tu vois. Central Park.
C'est trop bien, en vrai. Est-ce qu'il y a un courant d'air dans Central Park? Ce serait ouf. Là, il n'y en a pas. Oh là là là, la dinguerie! Non, c'est trop bien. C'est trop jouissif, en vrai. Mec, ils ont des patates de Texan, ça fait tellement mal. Salut, Falestino. Ils font tellement mal, ces chiens. Je peux pas repousser indéfiniment. Faut que j'aille voir oncle Aaron. Go voir le client, les gars. Go voir le client, comme ça on avance un peu dans la quête principale. Let's go. Est-ce que tu comptes vraiment garder ton masque? Tout dépend. Relax. J'ai pas envie que mon neveu me mette une nouvelle raclée. Quelle difficulté? Difficulté max. Ton père me lançait exactement les mêmes regards. Vrai bonhomme, les gars. Vrai bonhomme, ici. Bonne nuit, Zozo. Bisous, frérot. Bonne nuit, les gars. Petit? Martin Lee. Quelqu'un l'a libéré. Je sais ce que tu te dis, Miles. Mais c'est pas ta faute. On peut pas le laisser vivre ici. C'est juste une autre sorte de prison. C'est pas si facile. Je dis pas le contraire. Mais parfois, il faut savoir se défaire du passé pour pouvoir aménager son futur. C'est pour ça que j'ai appelé. Faut que tu récupères des trucs. Je le ferai bien moi-même, mais... le rôdeur a dû prendre sa retraite. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est? Juste du matos à retirer de la circulation. J'ai oublié. Planqué près d'un labo de Roxxon désaffecté, vers Central Park. Ouais, je vois où c'est. Tu laisses vraiment le rôdeur derrière toi? Derrière nous. Oublie un truc. Comment t'as... Hey Miles. Tu es un Renoir. À propos de Lee. Fais pas de conneries. Ouais. J'ai la phrase de fou. Hey Miles, tu es un Renoir. Mec. Ça me fumerait, ce jeu. Je rigole pas, Miles. Il paraît que ce gars peut te réduire le cerveau en omelette. T'occupe pas de ça. Et sinon, quoi de neuf à part ça? L'école, l'université, les amours, ça va? Je sais pas. Donc t'as bien quelqu'un en tête. Attends, parce qu'en fait, il faut qu'on fasse une petite pause, là, les gars, faut que j'aille aux toilettes, je suis désolé, j'ai pipé, en fait, je vous dis, mais genre mes jambes, elles font ça depuis tout à l'heure. Je me retiens, je suis comme ça depuis tout à l'heure, je me retiens de fou. Parce que je suis en extase de fou et... j'ai pas envie d'aller aux toilettes, mais il y a un moment où faut que j'aille parce que sinon, je vais me faire pipi dessus. Et flemme de ouf parce qu'il y a personne pour me changer. Si vous voyez ce que je veux dire. Vas-y, j'arrive. YouTube. J'espère que vous kiffez toujours autant. C'est incroyable. Vraiment, le jeu, il est juste... Il est démentiel. Putain, genre, vraiment, déjà le 1 était très bon. Le Miles Morales, il était bien, mais un peu trop court, tu vois. Là, j'ai l'impression qu'ils reviennent avec un vrai 2. Surtout que, en plus, genre... Ah oui, c'est vrai, j'ai omis de dire ça. En fait, Spider-Man 2, Spider-Man 1 et 1,5, ils étaient sur PS4 et PS5, on est d'accord? Si je fais des bêtises. Enfin,
Spider-Man 1 est sorti sur PS4, après ils l'ont remasterisé PS5. Mais Spider-Man Miles Morales, je crois qu'il était sur PS4 et PS5. Et en fait, c'est le premier épisode qui est exclusivement PS5, en fait. Et tu le vois, en fait, tu le ressens parce que, genre, les mecs n'ont pas eu, en fait, à faire, tu sais, genre, deux versions et enlever des trucs, etc. Alors là, ils se sont dit, genre, on a la full PS5 pour nous, let's go, on y va, et on se fait bien, en fait, tu vois. C'est trop bien. C'est trop, trop bien. Ouais, c'est le vrai épisode next-gen, en vrai. Mais avec toi, pour qu'on voit le pH de ton pipi pour savoir, j'ai un contrôle de science bientôt. YouTube, on se quitte sur ce beau panorama. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Passez une bonne journée, soirée. On se revoit bientôt. Passez nous voir sur Twitch, vous êtes les bienvenus. Vous connaissez le. Vous savez où on est. Vous avez le lien dans la description. Ramenez-vous. Welcome, vous serez toujours les bienvenus. Et nous, on se dit à très vite. Prenez soin de vous. Passez une bonne journée, bonne soirée. Des bisous. C'est Snaku.